Salut, cette méditation hypnotique a pour but de t'emmener faire une promenade dans le lieu où tu stockes toutes tes ressources intérieures, là où elles sont toutes, là où elles sont intarissables, là où tu peux aller chercher celles dont tu as besoin pour les prendre avec toi, et là où tu peux aller à chaque fois où cela sera bon pour toi d'aller. Et tout d'abord, comme tu sais le faire maintenant, je t'invite à éteindre ton téléphone, à faire en sorte que tu aies un moment pour toi en toute tranquillité, et puis nous pourrons débuter ce moment de méditation guidée hypnotique, et ainsi tu pourras te l'approprier aussi pour tes moments d'auto-hypnose pour toi, rien que pour toi. Je t'invite maintenant à t'asseoir confortablement à l'endroit qui te fait plaisir. Aujourd'hui, nous allons faire une induction par la respiration. De manière que, après 5 bonnes inspirations, tu puisses être en état d'auto-hypnose et tu puisses en profiter. Et tu sais, comme à chaque fois, que si tu souhaites arrêter cette séance avant sa fin, tu as toute la liberté de le faire. Et tu vas prendre une profonde inspiration et à l'expiration sortir toutes les tensions. Et à la deuxième inspiration, tu insuffles du calme et de la détente à tout ton corps, à toutes tes cellules. À l'expiration, tu sors toutes tes tensions inutiles à cette séance. Et trois, tu insuffles encore plus de calme et de détente à tout ton corps et à ton mental. Et tu expires tout l'inutile. Tu fais ça à ton propre rythme, celui qui est bon pour toi. Et tu prends encore une profonde inspiration, t'amenant du calme, de la détente de plus en plus profonde, et tu souffles tout ce qui peut rester de tension. Tu inspires encore une profonde inspiration de calme, de détente, de bien-être. Tu es complètement en état d'auto-hypnose et tu souffles encore toutes les tensions qui pourraient rester et qui s'en vont toutes. Voilà, très très bien. Tu es là maintenant en état d'auto-hypnose. Tu le ressens, tu sais que tu y es. Si tu souhaites faire un tour rapide dans ta bulle de ressourcement et de protection, comme tu peux décider de suivre cette promenade ensemble. Tu arrives là devant un grand hangar. Je me demande de quelle couleur est ce hangar. Peut-être qu'il est en pleine nature, dans un champ, peut-être qu'il est dans un quartier industriel, peut-être qu'il est ailleurs. Tu observes cela. Tu entends peut-être des bruits plus tu es proche de ce hangar et tu ressens qu'il est bon d'être là parce que dans un instant tu vas entrer et tu vas
trouver, là tout de suite, l'endroit où tu stockes toutes tes ressources. Et tu rentres maintenant à l'intérieur de ce hangar. Et en réalité, à l'intérieur, peut-être que tu te trouves en pleine nature, peut-être que tu te trouves dans une pièce, peut-être que c'est complètement autrement. La chose que tu es certaine ou certain, c'est que là, tu es dans le lieu où toutes tes ressources intérieures sont stockées. Celles que tu connais comme par exemple la volonté, la détermination, la confiance et toutes celles inconnues mais que tu sais que tu as quelque part à l'intérieur de toi. Et il y en a beaucoup, bien plus que tu crois, puisque tu es un être extraordinaire, rempli de plein de choses, rempli de plein de ressources. Et tu te sens contente, content, heureux d'être là, car c'est une extraordinaire chance d'être dans ce lieu de stockage de toutes tes ressources. Alors tu regardes autour de toi. Tu observes attentivement. C'est ton lieu. Tu écoutes s'il y a des bruits, parfois une douce musique, hein. Parfois un chant, autre chose. Et tu ressens de plus en plus cette satisfaction d'être dans ce lieu, parce que tu sais que ça va grandement aider à ta vie, à l'améliorer, à optimiser, à faire des mises à jour. Et c'est comme si tu n'en crois pas tes yeux d'être là. Tu tournes peut-être sur toi-même pour vraiment regarder partout. Et vivre cet instant particulier que d'être là au milieu de toutes tes ressources. Et je me demande en fait comment tu les perçois, parce que là maintenant, ton regard, ou peut-être ton oreille, ou ton ressenti, ou tout ça en même temps, t'amène vers un endroit de ce lieu, un endroit qui est une ressource qui t'appelle. Viens, viens vers moi, prends-moi avec toi. Une ressource aujourd'hui qui est utile à ta vie, celle qui est le petit coup de pouce pour améliorer ce que tu vas améliorer aujourd'hui. Et tu es là devant cette ressource. Tu l'observes. Je ne sais pas sous quelle forme tu peux la voir. Peut-être quelque chose de coloré, peut-être quelque chose qui ressemble à un livre, peut-être quelque chose qui ressemble à une enveloppe, ou peut-être tout autrement, parce que c'est ta propre perception de comment les ressources se montrent à toi, s'entendent et te font ressentir qu'elles sont là. Et n'est-ce pas extraordinaire de savoir que chacun a cette magnifique perception de percevoir ses ressources, chacun différemment. Et tu es là et peut-être que tu sais exactement de quelles ressources il s'agit, parce que tu y as déjà pensé, ou peut-être que c'est une ressource sans nom pour l'instant. Tu sais juste que c'est une ressource, comme un cadeau utile aujourd'hui à ta vie. Et tu es donc dans la gratitude en même temps d'être avec cette ressource-là, juste là, comme un cadeau de la vie. Et tu es tellement heureux de vivre et d'accepter ce cadeau
de la vie que tu as envie de l'intensifier encore plus. Comme si ce cadeau de la vie pouvait devenir beaucoup plus grand, peut-être beaucoup plus lumineux, peut-être plus léger ou plus lourd, selon ce que pour toi représente d'optimiser ce merveilleux cadeau de la vie. Et lorsque tu seras sûr qu'il est optimisé, ce cadeau de la vie, que cette belle ressource est vraiment intensément plus grande, je t'invite à faire en sorte de l'emporter avec toi. Peut-être en la mettant dans ta poche si tu peux, dans un sac à dos, en posant tes deux mains sur le cœur, signe que tu intègres complètement cette ressource en toi. Et surtout en prenant maintenant une profonde inspiration, comme pour insuffler l'air de cette ressource, de ce merveilleux cadeau, tout à l'intérieur de toi, en passant dans tout le corps, dans toutes les petites cellules, même celles auxquelles on pense peu. Et si tu as envie, tu peux prendre une deuxième profonde inspiration pour profiter pleinement de ce merveilleux cadeau de la vie. Tu sens quelque chose qui a changé à l'intérieur de toi, et même autour de toi, comme un peu ton aura qui s'est peut-être modifiée. Et tu sais que même en prenant ce cadeau de la vie avec toi, là, dans ce hangar, de l'endroit où tu stockes toutes tes ressources, tes ressources, toutes sont toujours là, car elles sont intarissables. Même s'il y en a une que tu prends avec toi, elle reste en même temps dans cette salle, pour que à chaque moment où tu en auras besoin, tu pourras revenir la chercher, les chercher. Alors imagine, tu sors de ce hangar, et tu es dans une situation où tu agis complètement différemment. Peut-être que tu as plus de sûreté, peut-être que tu as plus de légèreté, plus de distance, je ne sais pas. Mais tu réalises ô combien tu agis, tu penses autrement par rapport à cette situation. N'est-ce pas extraordinaire de savoir que dans le futur, comme si tu traversais un pont, tu sais agir maintenant autrement. Et tu peux même t'imaginer dans un mois, dans une situation où grâce à cette merveilleuse ressource activée et optimisée, tu agis autrement, d'une manière complètement différente et qui te plaît et qui te satisfait. N'est-ce pas extraordinaire de pouvoir, par un simple passage dans ton lieu de stockage des ressources, pouvoir changer une pensée et un comportement. Et ainsi, chaque fois où tu auras envie de développer quelque chose en toi-même, tu pourras revenir dans ce hangar, dans ce lieu où tu stockes toutes tes belles ressources merveilleuses. Alors je t'invite, dès ta prochaine séance d'auto-hypnose, à aller trouver toi-même ce hangar, ce lieu où tu stockes toutes tes belles ressources. Afin qu'à chaque fois que tu en auras besoin, automatiquement, ton guide intérieur, ton esprit inconscient, puisse lui aussi activer ces merveilleuses ressources.
je t'invite à compter de 1 à 5 pour l'induction de sortie et à revenir ici et maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Tu es ici et maintenant.